Me revoilà! Est-ce que ça vous intéresse une histoire sur Pâques? Oui? Alors, écoutez bien cette histoire qui s'appelle Les œufs arc-en-ciel. À tout à l'heure! Les œufs arc-en-ciel, un conte de Claude Clément. Il était une fois un petit pays tranquille. Le jour du printemps, on y organisait un grand marché. Chacun s'installait pour vendre ce qu'il avait de meilleur ou de plus beau. Des couronnes de brioche, des œufs, des dentelles. Ce matin-là, quelques fermières comparaient leurs œufs. Les plus gros, les plus ronds ou les plus blancs. Seule dans un coin, une grand-mère et sa petite fille se taisaient. Toutes les deux ne possédaient qu'une petite poule maigrichonne. Et cette poulette ne leur avait donné que 3 petits œufs. La grand-mère soupirait. Nous sommes si pauvres, et nos œufs sont tout juste bons à offrir aux enfants pour jouer aux billes. Se tournant vers sa petite fille, elle ajouta. Il faut pourtant que nous gagnions quelques pièces. Alors, c'est notre poule que je vais être obligée de vendre. La poulette battit des ailes, et la fillette supplia. Grand-mère, laisse-lui une chance. Je suis sûre que l'année prochaine, elle pondra des œufs extraordinaires. La petite fille prit la petite poule dans ses bras. Et les yeux pleins de larmes, elle chantonna. Poulette, poulette, ma roussette maigrelette, tu pondras de beaux œufs tout soyeux. Devant la tristesse de la fillette, la vieille femme se laissa attendrir, et toutes les trois rentrèrent chez elles. Une année passa. Souvent, la petite fille chuchotait sa chansonnette à l'oreille de la poulette. Poulette, poulette, ma sœurette mignonnette, tu dois pondre de beaux œufs tout soyeux. Mais les œufs de la poulette étaient toujours plus petits. Et le jour du marché approchait. La veille au soir, la petite poule avait compris qu'elle ne pourrait pas pondre des œufs plus gros. Alors, elle alla se cacher dans un champ pour échapper à la fermière. Tout à sa tristesse, la poulette avait fermé les yeux et replié ses ailes. Mais c'était compté sans les fleurs et les papillons. Émus par son chagrin, ils décidèrent de l'aider en secret. À la nuit tombée, les fleurs multicolores se blottirent contre la petite poule. Puis, les papillons la couvrirent de leurs ailes bariolées. Au matin, lorsqu'elle se réveilla, la petite poule se sentit toute fraîche. Elle se mit à chanter et pondit une demi-douzaine d'œufs. Et ces œufs-là n'étaient pas ordinaires. Ils possédaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On pouvait même voir sur leurs coquilles de très jolis dessins, comme ceux des ailes des papillons. Guillerette, la poulette, se mit à caqueter joyeusement. Très étonnée, la petite fille, qui la cherchait partout, s'écria « Que se passe-t-il, ma poulette ?» Lorsqu'elle aperçut les œufs, la fillette poussa un cri et s'accroupit, le cœur en fête. En les examinant un par un, elle chantonna « Poulette, poulette, ma pipelette cuillerette, tu as pondu de beaux œufs tout joyeux. » Le jour du marché, on se bouscula pour acheter les œufs de la petite poule. La petite fille et sa grand-mère récoltèrent des dizaines de pièces d'argent.
C'est depuis ce temps qu'à l'arrivée du printemps, petits et grands essaient de copier les œufs de la petite poule, mais ils ne réussissent jamais à les peindre aussi délicatement, car la poulette a toujours bien gardé son secret. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère que vous a bien plu. Au revoir.